بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على منصة موقع لواء للتعليم أمبود. اليوم إن شاء الله لنكورجو سيجي دانتري او ليسي دكسلانس 2020 5e سي. بريمير اكزرسيس. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples constitué de 5 questions. Chacune comporte 3 réponses, une et une seule étant exacte. Précisez la bonne réponse, on ne demande pas la justification. Mais nous, on va faire la justification. Première question. Si A égale moins 6 sur 9 plus 5 racine de 3, et B est égal racine de 3 plus D sur racine de 3 moins 3. Alors, A fois B est égal. Réponse. Donc, ici, on a deux méthodes. Soit on calcule les produits directement, ou bien on enlève les radicaux des dénominateurs. Donc, on utilise l'expression conjuguée. Pour l'expression de A et l'expression de B, après on calcule le produit. Donc réponse. A est égal à moins 6 sur 9 plus 5 racine de 3. Si on prend les conjugués de 9 plus 5 racine de 3, c'est 5. Les conjugués de 9 plus 5 racine de 3, c'est 9 moins 5 racine de 3. Donc moins 6 facteur 9 moins 5 racine de 3. Sur 9 plus 5 racine de 3 facteur 9 moins 5 racine de 3 moins 6 fois 9 moins 54 plus 30 racine de 3 sur 9 au carré 81 moins 5 au carré 25 fois 3 c'est 75 donc égal moins 54 plus 30 racine de 3 sur 6. B égale racine de 3 plus 2 sur racine de 3 moins 3. Les conjugués de racine de 3 moins 3, c'est racine de 3 plus 3. Donc on a ici 3 plus 2 facteur de conjugué racine de 3 plus 3 sur racine de 3 moins 3 facteur racine de 3 plus 3. Donc racine de 3 fois racine de 3 est égal à 3. Racine de 3 fois 3 c'est 3 racine de 3. Et 2 fois racine de 3 c'est 2 racine de 3. Et 2 fois 3 6 sur 3 au carré. Racine de 3 au carré 3. 3 au carré est égal à 9. Donc, égal. 3 plus 6 est égal à 9. Et 3 racine de 3 plus 2 racine de 3, c'est 5 racine de 3 sur moins 6. Donc, A fois B égal. Moins 54 plus 30 racine de 3 sur 6 fois 9 plus 5 racine de 3 sur moins 6. Donc pour cette expression, si on prend 6 en facteur, donc 6 fois moins 9 est égal à 54 et 6 fois 5 est égal à 30 sur 6 fois 9 plus 5 racine de 3 sur moins 6. Donc on va simplifier 6 avec 6. On va changer l'ordre. On a ici moins 9 plus 5 racine de 3. Donc 5 racine de 3 moins 9 fois. Et 9 plus 5 racine de 3, l'addition est commutative. C'est la même chose, égale 5 racine de 3 moins 9 sur moins 6. Égal 5 racine de 3 tout au carré, parce qu'on a ici forme identique remarquable. 5 racine de 3 moins 9 fois 5 racine de 3 plus 9. Si c'est plus, parce qu'ici on a plus.
Donc a moins b fois a plus b est égal à a au carré moins b au carré, moins 9 au carré sur moins 6. Donc 5 au carré, 25 fois 25, 25 fois 3, 25 fois 3 égale 75, moins 81 sur moins 6. Donc est égal à moins 6 sur moins 6, donc est égal à 1. Réponse c'est cette réponse. Donc A fois B est égal à 1. Deuxième question. D puissance 3 est égal à 2 puissance D fois D fois D, donc est égal à 2 puissance 8. Donc réponse B. Troisième question. L'ensemble des solutions de l'équation valeur absolue de moins 2x plus d inférieur ou égal à d est. Donc, réponse. Troisième question. On a les règles suivantes. De valeur absolue de x inférieur ou égal à m. M nombre positif. Ça s'implique, comme dans notre cas ici 6, ça s'implique que x supérieur ou égal à moins m inférieur ou égal Donc, on a valeur absolue de moins 2x plus d inférieur ou égal 6. Ça s'implique que moins 6 inférieur ou égal moins 2x plus d inférieur ou égal 6. Et ça s'implique. Donc, on va retrancher d de toute partie d'égalité. Donc, on a le même que dire moins 6 moins d inférieur ou égal moins 2x, d moins d égale 0, inférieur ou égal 6 moins d. Ça s'implique que moins 8 inférieur ou égal moins 2x inférieur ou égal 4. Donc on va diviser par moins d pour trouver l'encadrement de x. Si on divise par un nombre négatif, on change l'ordre. Donc on a ici 4 sur moins d inférieur ou égal x inférieur à moins 8 sur moins 8 sur moins d. Donc on a ici moins d inférieur ou égal x inférieur ou égal 4. Donc x appartient de l'intervalle moins d et 4. Réponse A. Cette réponse. Quatrième question. L'écriture du nombre 28 dans la base d est. Donc on va écrire les 28 de base d. Donc 28. On va faire les divisions euclidiennes. Divisé par d égale combien? Égale 14. La reste est 0. Donc 14 divisé par d est égal 7. Et la reste est 0. Et 7 divisé par d est égal 3. 6. 6 moins 7 est égal 1. La reste est égal 1. 7 divisé par d égale 1 et le reste c'est 1. 1 divisé par d égale 0 et le reste, donc 0 fois d c'est 0, donc le reste c'est égal à 1. 0 divisé par d égale 0. Donc pour lire l'écriture des bases d de 28, donc on a le nombre suivant 1 1 1 0 0. Réponse C. Question 5. On a le nombre suivant 9 9 9. Au carré au moins 9 fois
est égal. Donc, on a ici combien de chiffres? On a 9 chiffres. Donc, si on pose x est égal à 1 milliard, donc x moins 3 au carré est égal à 1 milliard moins 3 est égal à 9, 9, 9, 7 au carré. Et 1 milliard moins 2 égale 8. Et 1 milliard moins 4, donc il reste 9 dans les chiffres. Donc l'expression, si on regarde l'expression, donc on va trouver que le premier terme est x moins 3 au carré et le deuxième terme moins x moins 2 facteur x moins 4. Ça on appelle les changements de variables. Donc si on développe, si on développe cette expression, on va trouver x au carré moins 6x, désabé, 2 fois x fois 3, plus 3 au carré égale 9, moins x fois x au carré. Donc x fois moins 4, c'est moins 4x, on a ici négatif, donc c'est 4x. Moins 2 fois x moins 2x, on a ici négatif, donc c'est 2x. Moins 2 fois moins 4 égale 8, donc on a moins 8. Égal. On va simplifier x au carré avec x au carré. On a ici moins 6x, ici c'est 6x, 0. Et 9 moins 8 est égal à 1. Donc c'est la réponse A. Réponse.